Il est passé 8 heures à l'aéroport. Il voyait des boss partout. J'aime pas ça. C'est pas des façons de faire du business. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Écoutez bien, je me fous de votre putain de clé, d'accord? Je vais les fric. Yayo! Si tu fumes, tu dégages de ma moquette à 90$ le mètre carré. Tu sais où est le fric, alors maintenant tu nous lâches les baskets et tu vas le chercher. Non. Je vais vous dire, moi. Je vais à l'aéroport, j'ouvre la consigne et quand il m'arrête, je dis qu'on me l'a demandé, je dis que c'est vous. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que tu sais, hein? C'est tout ce que je sais. Attends une minute, Yayo, j'en ai pas pour longtemps. Tu peux aller le surveiller. T'avoues comment on me fait? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette arme? Te descendre, Yo-Yo. T'as vu ça? T'as vu comment il a basculé? Il faudra amener Chili Palmer ici. Tu trafiques la rambarde discrètement, tu sais comme ils font au cinéma. Je l'invite à contempler la vue depuis mon balcon. Il se penche pour mieux regarder. Comme il est simple, ça c'est gratiné. Je vais te dire, Bear, je veux à tout prix produire des films, sinon pourquoi habiter Los Angeles si je peux pas y faire carrière? Je serai le plus grand de tous les producteurs. C'est pour ça qu'arrive à produire ce Mr. Lovejoy avec moi et pas avec Chili Palmer.